n'a pas de statut. On est sur des listes. Donc, j'étais sportive de haut niveau élite pendant des années, environ une douzaine d'années. En amont, on a des listes espoirs et juniors. Par contre, au niveau social, on n'est rien. Enfin, on ne représente rien. Donc, on est socialement parlant quelque chose quand on est étudiant. Donc moi, par rapport à ma carrière, j'ai été étudiante en architecture intérieure. Donc, j'avais un statut d'étudiant presque le long de ma carrière. Après, c'est posé la difficulté. Le jour où j'ai passé mon diplôme, que j'ai fini mes études, j'étais plus étudiante. J'ai refait une compétition donc, l'année d'après mon diplôme. Et là, je n'étais plus rien au niveau des statuts, justement. Aujourd'hui, le comité olympique s'est battu pour une reconnaissance de retraite du sportif, mais donc, moi, c'est passé, donc ça ne me concerne pas. Pour les futurs athlètes, on en a une maintenant. Mais personnellement, non, c'est à partir du moment où on travaille, donc un travail différent du sportif. Donc aujourd'hui, je suis architecte intérieur et c'est à partir du moment où je me suis inscrite pour pouvoir être professionnelle dans cette discipline-là que j'ai droit à la retraite. Donc j'ai commencé à travailler à l'âge de 30 ans. Donc voilà, la retraite, elle démarre à partir de là. Ce qui peut changer, c'est en effet un statut qui va exister et qui est reconnu. C'est important aussi culturellement parlant d'entendre parler du sportif de haut niveau réel. Et une facilité de trouver des aides, je ne parle même pas de financière, je parle vraiment de pouvoir avoir une mutuelle et de s'assurer, par exemple aussi quand on a un bébé juste après notre carrière, de pouvoir avoir des aides à la CAF, alors que ça a été mon cas, je n'avais pas droit au départ aux aides puisque je ne rentrais pas dans les cases. Donc c'est de ce côté-là vraiment qu'on va essayer aussi de se battre. Après il y a d'autres directions, mais ça là en fait partie, quoi.